Et bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, amis viewers et viewers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour cette septième et peut-être, je dis bien peut-être parce que je ne sais pas, dernière partie de notre Beyond Good and Evil. Et ben on va lancer ça tout de suite. Je vais afficher ma tronche et me voilà. J'espère que vous allez bien les gens. Moi je suis Adonf. On va finir ce petit jeu que je tenais auquel je tenais à cœur. J'avais envie de le finir, on y est, on est bien. J'ai réussi à régler ma lumière, normalement c'est presque tout fluide. On va mettre le jeu tout de suite ici. Est-ce qu'il passe? Ah c'est beau la technologie. Est-ce qu'il y a du son? Est-ce qu'il y a du son? Oui, il y a un peu de son. Peut-être que... Hop, attendez, hop, hop. Mon son n'est pas à fond. Qui a baissé le son du jeu? C'est vrai qu'il gueule un peu le jeu. En tout cas, les gens, je rappelle qu'on est en live. N'hésitez pas sur n'importe quelle plateforme. Vous pouvez nous voir parce qu'on diffuse sur plusieurs plateformes. N'hésitez pas à venir parler sur les chats. J'ai tous les yeux. Je me ferai une joie de vous répondre. Et si vous êtes occupé de regarder cette vidéo sur YouTube, un petit pouce vert, ça fera plaisir. Allez, on charge tout de suite la partie pour cette ce dernier stream pour ce jeu, hein. Parce que là, alors, si on récapitule tout ce qui s'est passé, on a été sauver notre cochon. Parce que j'ai un pouvoir, apparemment je peux le raise. C'est cool. On n'a pas trop compris, mais au moins on l'a sauvé. On a réussi à mettre toute la ville à dos sur le grand méchant. Donc le grand méchant, on l'a pété. Et maintenant, nous on va aller chercher le grand méchant pour aller péter sa gueule. Oh oh là là, pas d'épices. Allez. Donc je crois que c'est par là. Je sais plus si j'étais au taquet ou pas. Je ne sais plus. Ah merde. Non, 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 non. Attends, attends, j'étais pas prêt. Quand ils sont plusieurs, c'est facile à les taper. Aïe 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 aïe. Ça crie, le son il crie. La caméra le bug. Voilà. Je comprends pourquoi j'avais baissé le son du jeu maintenant un petit peu. Allez, on va reprendre les gens. Ah, pas de données, je m'en fous. Les retours Windows, il aime pas trop. Ah, on a pris cher, hein. Ça fait deux bonnes semaines que j'ai pas retouché au jeu, alors j'ai un peu de mal à y remettre. Et on suit le petit chemin. De la potation. On arrive là, d'accord. Pas de pop bob. Qu'est-ce que tu espères? Non. Tous les tiens sont déjà morts. Ils ont pas tué tous les orphelins ta quand même. Mère et ton père. Ton père. Le porc et Big up Azerator. Nous avons pillé leur fluide pour prolonger nos vies. Ils te cherchent. Il est sur ta trace depuis des siècles. Hein? Tu mourras, toi aussi. What? Et tombent les anges de l'enfer. Sérieux, le gros méchant, il meurt comme ça, comme une grosse merde. Seriously? Vas-y, moi j'appuie sur le bouton, je m'en fous. Il faut retourner dans la base. Tous les prisonniers sont encore dedans. Allez, donc là j'ai désenclenché le faisceau qui faisait que mon vaisseau était bloqué chez... était bloqué par son vaisseau. Il y avait encore quelqu'un de vivant ? Il reste personne. Oh la menteuse ! Oh la vilaine ! Qu'est-ce qu'elle ment ! La vilaine pas belle ! Vas-y, switch, switch ! Merci. Allez, on y va. Allez, le lourdeau et le lardon, on y va. Il est où mon truc volant là? Bien si, je sais plus comment on monte. Ah! Comme ça. Tout simplement. Yes! Allons-y, let's go! C'est parti les amis! Nous allons atterrir chez Jawadon, va y arriver. Non, petite blague, pas drôle. Ah putain, c'est vrai que le... Attention, ils envoient la garde rapprochée. Oh oui, oh là 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 là. J'ai du mal à naviguer le truc, alors ça va être marrant. Venez ici, bonne forêt! Feu!
Faut que je les suive. Vas-y, viens ici, toi. Allez. Bon, plein votre cucu. A touché. Toi, alors. Don't move. Allez. Ah, la musique, elle tue. Attends, j'étais pas prêt. Wow. Attends, y'a du monde partout là. Allez, où la piste d'atterrissage? Oui, bah il faut que je la voie, Coco. Je sais pas où elle est. Là-bas, en face. Non, c'est pas ça. Appuie pour atterrir. Moi, j'atterris. Je m'en fous. Je sais pas où je suis, mais j'atterris. C'est bon, j'ai réussi. Ça m'a l'air. Beau vaisseau, c'est bien. Un petit disque de sauvegarde là. Parce qu'on a fait de l'effort. Hein. Alors, on a été fifou là sur le coup. Clic, clic, clic. Merci bien, monsieur. Cornichon. Allez, les gars. Merci pour tout, mes compagnons. Genre, ça fait un peu épique quand même. Oula, c'est flou. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui c'est? C'est le truc qui m'a touché au tout début là. Elle est pas beau. Grâce à toi, les Iliens sont venus à moi aveuglément. Jade. Dorkar Barkar. It's a trap. Tu n'es pas celle que tu crois. What? Le port a caché des origines. Non, Jade. Ne l'écoute pas. Bacon. Bacon, bacon. Ah bon? Sérieux? Ah ouais? Oh! C'est bien, camarade. Ah ouais, quand même. Je m'attendais pas à une telle révélation. Comment ça marche? Attends. Si, essaye. Ah d'accord. Ah, bonne technique, on a trouvé la technique. C'est ça, il faut utiliser son bouclier pour pouvoir lui jeter dans sa gueule. Qu'est-ce que c'est ça? À mon avis, il faut taper dans sa main là. Attends, ouais, je crois savoir ce qu'il faut faire là. Faut péter ça. Viens ici, enfoiré, j'ai besoin de toi là. Ah
Alors comment il faut... Ouais, doucement, pas l'épice. Est-ce que si je lui envoie dans la gueule, il aime bien? Non, il aime pas du tout. Pleine gueule. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Reste là. Non. Wouah. Ah, il est pas mal le combat. Il est bien animé tout ça. Wouah. Attends, tu fais un peu mal la coco. Allez, place en fion. Place en fion les gens. Allez, il est mort ou quoi? Il est pas mal le combat. Comment je peux les combattre moi? Alors. J'ai réussi à en battre un, mais je sais pas comment j'ai fait. Nous souffrons par votre faute. Abandonnez. Rejoignez-nous, mademoiselle Jade. Mademoiselle Jade, il faut abandonner le combat. C'est dur là. C'est chaud. Bouge toi. Attends, je reçois plein ma gueule là. Waouh. Hey, tout doux les pains d'épices là. Ah, c'est chaud patate. Qu'est-ce qui se passe? Ah, que coucou para, salut Yam. Comment vas-tu? Comment ça va? Oh putain. Mes touches, ils sont inversées. Sa mère, oh, le fruit de mer. Mes touches. Attends, du coup il faut que j'aille à gauche. Ok, là il faut que j'aille tout droit. Là il faut que je clique là. Puis là. Ah, je suis trop bon. Putain, je suis meilleur à l'envers, j'ai l'impression. Oh putain. Oh, heureusement que je suis resté dessus. Ah ouais, mais là je joue à l'envers, c'est pas évident là les gens. Attends, je suis même pas relevé qu'il me tabasse lui. Mais hé, ça bug. Mais attends, il me tabasse, je suis même pas relevé. Voilà, je l'ai eu. Tiens, mange. Ah non, je me suis trompé de côté. Attends, je suis même pas debout. Laisse-moi tranquille. Ah oui, dès que je bouge plus, il me savate, hein, lui. Allez, moi je clique toujours, rien à foutre. Ah ouais, mais il est très réactif le monsieur là. Ah, c'est vrai, il m'a enlevé 3 coeurs d'un coup là. Ah, bonsoir les gens, ça va bien. Bonsoir. Je recommence du début. Seriously? Oh non, je recommence là, c'est le moment le plus chiant. Mademoiselle Jade, il faut abandonner le combat. Ah ouais, vas-y, tranquille. J'ai pas mes touches inversées là, alors pourquoi tu... Je sais pas comment les tabasser efficacement les messieurs.
Mademoiselle Jade, il faut abandonner le combat. Coup de marteau dans ta gueule, madame. Je cherche pas ta tort. Mais non! Oh, bim quoi. Mademoiselle Jade, faut abandonner le combat. Mademoiselle Jade, ferme ta gueule. Oh oh oh, j'avais réussi une belle esquive. Allez là, il va verser mes touches. Ah, ça gratte à mon oreille. JFK un peu, oui déjà. Pas de soucis. De toute façon, je crois que le combat, je vais galérer parce que les touches en arrière là, c'est chaud. C'est chaud. Il est à droite, donc on clique à gauche. Il est devant, donc on clique vers le bas, ensuite par là et ensuite par là. Bim! On revient au milieu. Vas-y, je suis chaud! On va se le faire! On va le péter le cul! Attends, il triche là aussi. Eh, il triche les gens. Oh, je l'ai eu. Bon. Tiens, ça c'est ce qu'on appelle un coup à l'œil. Culé. Mange des bananes et sans pâté. Danny Boone. Allez, c'est fini. C'est fini, fini le jeu. J'ai tué le gros monstre. C'est qui? C'est ma mère, c'est ça? Qu'est-ce qui... Pourquoi? Elle fait dodo. Elle est fatiguée. Qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Les musiques de ce jeu sont vraiment super bien. Ah oui, je fais revivre tout le monde. Oui, on a sauvé les orphelins. Oh, c'est beau. La musique est géniale. Qu'est-ce qui arrive? C'est mes copains! C'est mon copain de l'agence. Et voilà, on a sauvé tout le monde, tout est bien qui finit bien. Oh. Ah, j'ai des frissons, ça veut dire que j'ai bien aimé le jeu. On a des frissons tout le long du dos, c'est bien. Belle musique. Alors c'est un jeu que je conseille à tout le monde, franchement. 2003 ou 2006, ça sorti, je ne sais plus, mais... C'est un jeu, alors j'avais déjà expliqué dans ma première vidéo, hein. Je réexplique que c'est un jeu que j'avais eu. D'un ami qui était abonné au PC Jeux Magazine. Ouais. Et le PC Jeux Magazine mettait tout le temps des démos ou des jeux complets parfois avec. Et donc du coup il avait eu le jeu complet Beyond Good and Evil. Donc j'avais commencé à jouer et mon PC a fait de la merde. Et comme il a fait de la merde, j'ai perdu ma sauvegarde. Et j'avais arrêté. Il y avait un gars qui s'appelait Baguerre. Baguerre. Et donc j'ai rejoué à ce jeu parce que je sais qu'il me plaisait, mais que j'avais pas envie de tout refaire. Et là je me rends compte qu'en fait il était vraiment bien, j'aurais dû aller jusqu'au bout.
L'histoire est sympa, basique mais sympa. Les personnages sont attachants. Le gameplay, bon, les caméras est un peu chiante, mais le gameplay est sympa, un peu d'infiltration. Du combat, bon, bah, c'est du clic, hein, y a pas spécialement de trucs de fou. Les ennemis sont pas ouf non plus. Un petit peu de strat dans les boss et dans les gros ennemis qui est pas mal. Je suis super content d'avoir fini ce jeu. Pas de l'avoir fait. Fini non, on aurait aimé que ça dure plus longtemps, mais. Voilà, je me permets de laisser les gens passer, hein, même. Enfin, pas que je fais de la pub, mais ils méritent qu'on voit leur nom parce que c'est une belle réalisation pour l'époque du jeu. Hein. Franchement, un remake HD de ce truc, ce serait génial. Déjà qu'il y a le 2, les gens, je sais pas si vous avez entendu parler du 2, on va peut-être aller. Comme là, la vidéo elle fait que 20 minutes pour le moment, on va peut-être aller voir les news du 2. Ah, s'ils sortent un 2, ce serait vraiment, vraiment fou. Je me l'instaboye, ça c'est clair. Tandis qu'on voit le phare là en fond qui défile. Ah, il est trop bien. Et la musique, elle est reposante. Les musiques sont bien faites. Franchement, pour l'époque, avoir de telles musiques, des licences et tout, c'est plutôt pas évident, je pense. Et là, c'est super bien fait. Oh. Alain Bedel. Par contre, j'ai jamais compris pourquoi ça allait aussi vite, les écriteaux. Parce que vous allez dire, ouais, pour défiler vite, c'est pour pas trop ennuyer les personnes. D'accord. On n'a pas le temps de lire, déjà. Donc, ça sert à rien. Et puis, ça nous ennuie quand même, de toute façon, que ça soit rapide ou long. Parce que je suppose que si je fais échappe ou autre, ça va passer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la musique, elle s'arrête? Quoi qu'il arrive, ça nous emmerde, donc autant laisser bien les noms apparaître. Hein. Vous avez le temps de lire. Chef de produit Emma, Thomas Peterson, Clotilde, Tussin, Louis Vanet. Ouais, j'étais au quart. Oh bah là, c'est même pas la peine. Chef des marques locaux. Localisation. Allemagne. Je sais pas ce que ça veut dire. France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne. Il y a eu tout le monde entier. Directeur artistique, c'est pas mal. Vous voyez qu'il y a plein de petits bouts dans le monde entier qui ont fait une petite partie de ce jeu. Voix française, Emma Decon. Decon, vous voyez, c'est la soeur à Decon. Antoine Decon. Ou bien c'est juste Decon qui a fait le son. Judy Forrest, David Gassman, Ruby Burns. Voici voix des États-Unis. Ils sont là. Ah, on va voir les voix de tous les pays. Voix allemande. Sandra Schnatz and Jaren Killingen. Voix supplémentaire Allemagne. Ouais, oh, je vais pas m'amuser à faire l'allemand sur tous les prénoms. Espagnol. Beatriz Faravan, Juan Senor et Luis Martin. Voix supplémentaire. À mon avis, les trois principales, c'est les trois héros. Donc Jade, le cochon et Lot. Italie. Ciano Corizzi, Tani Orizzano. Je ne peux pas faire l'accent italien du tout. Vous aurez remarqué quand même. Hein. Pays-Bas. Je connais pas l'accent des Pays-Bas. Ça ressemble un peu à l'allemand, au belge, un peu entre les deux. Je suppose. Comme dans les pays frontaliers. Ah oui, vous voyez, ça ennuie bien les. Eh, hey, j'y vais loin ma caméra quand même. Regardez, je peux lever ma main comme ça. Et là, mon doigt disparaît. Hé, hey, je fais un tour de magie. Attention, vous voyez mon doigt? Il va disparaître, regardez. Hé hé! Vous savez pas comment je fais, hein. C'était nul. Bon, allez. C'est pas tout ça, mais... Bah, on peut pas passer, en fait. Ah, moi, je clique. On peut pas passer, les gens. On voit un peu les photos derrière. C'est quoi, les photos d'après, pendant, avant? On voit le chien, le toutou. Al toutou. On peut vraiment pas passer? Non, on peut pas. Les copains, j'ai réussi à arrêter le stream. Si vous avez un écran noir, reset le stream. J'ai fait de la merde. J'appuie sur le 2 qui est une touche raccourcie pour arrêter le stream. D'ailleurs, je vais faire un petit truc là. Je fais hop. Ah. J'ai une touche raccourcie. Le 2 du pavé numérique arrête le stream. Donc à chaque fois que j'appuie sur le 2, je me fais niki. Faut pas que j'utilise mon pavé numérique. Faut que je trouve où est-ce qu'on peut enlever cette touche. Est-ce qu'on a une petite cinématique de fin là? Qu'est-ce qui se passe? Oh, le cochon l'a largué une caisse. Qu'est-ce qu'il a? Oh, il est infecté par les Doms. Oh,
Tu vas me dire que les gens, ça fait au moins 15 ans qu'ils attendent le 2. Non, allez, 10 ans. Qu'ils attendent le 2. Ça fait 15 ans que les gens attendent le 2 sur ce cliffhanger de malade. Vous rigolez? Je pense à tous ces gens qui ont fait le jeu lors de sa sortie, mais c'est fou! Moi, je le fais maintenant. Je pense que le 2 va sortir dans 1 ou 2 ans, 3 ans. Mais il y a des gens, ça fait longtemps qu'ils attendent. Bon, sur ce, on a terminé. En 30 minutes et j'ai encore du live à faire. Je pense qu'on va partir sur du Paladins qui sera pas record. Allez, on va partir sur Paladins.